François Froger. Bonjour Annie Gabriel. Nos entretiens cette année s'intitulent La transmission des évangiles. On pourrait aussi les sous-titrer par cette question La tradition évangélique est-elle fiable Vous êtes anthropologue, Jean-François Froger, et spécialiste des textes bibliques. Vous allez, au cours des neuf entretiens que nous aurons cette année, nous faire partager vos connaissances et nous nous appuierons aussi sur les travaux de Pierre Perrier. Quelques mots sur Pierre Perrier, si vous le voulez bien tout d'abord, qui nous a aimablement autorisé à utiliser ses livres pour nos émissions. Pierre Perrier anime et développe depuis 40 ans des études sur l'oralité évangélique araméenne dans l'Église judéo-chrétienne primitive. Il a notamment écrit en 2006 La transmission des évangiles en 2003 Les colliers évangéliques en 2000, Évangile de l'oral à l'écrit. Pierre Perrier nous dit dans l'introduction d'un de ses ouvrages Ce qui est maintenant évident pour l'historicité de la personne du Christ demande à le devenir aussi pour la rédaction des évangiles. Au cours de ces neuf entretiens, nous allons tout d'abord nous plonger, si j'ose dire, dans la civilisation de la société israélite du temps de Jésus, et au fil des entretiens, nous nous poserons la question que s'est-il passé dans les vingt années après la crucifixion de Jésus? Nos deux premières émissions sont consacrées au contexte dans lequel Jésus va naître. Et nous commençons aujourd'hui par la découverte de cette société à tradition orale. Jean-François Froger, peut-être souhaitez-vous apporter quelques compléments à ma présentation. Sinon, je lance ma première question. Qu'est-ce que l'oralité Ça commence par la bonne question, <laughs> car la première chose à connaître, c'est la différence qu'il y a entre le style que nous avons de parole à savoir un langage courant et en même temps des rédactions écrites de nos textes alors que nous nous replaçons donc à partir d'abraham disons au mois de moïse jusqu'au temps de jésus pour avoir le contexte où il naît et là nous avons affaire à une civilisation de style oral alors, le style oral, ça veut dire quelque chose de très technique, en fait. Ça veut dire que les textes euh, sacrés sont transmis par la mémoire. Donc, on les écoute, on les apprend, on les répète. Alors, c'est le style oral, et ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est que cela suppose une structuration du langage tout à fait spécifique pour que la mémoire puisse s'exercer. Donc, une composition de style très précis. Mais ça n'est pas incompatible avec l'écrit. Oui, parce que des, des civilisations à tradition orale, il y en a beaucoup dans, dans le monde. Il y en a eu alors, beaucoup. Au, alors, nous supposons qu'au départ, toutes les civilisations étaient de style oral. Pourquoi Parce que dans toutes les civilisations, ce qui forme une civilisation, c'est d'avoir un certain corpus de textes sacrés ou simplement historiques. Se transmet de génération en génération. Donc, tant qu'il n'y a pas d'écriture, évidemment, c'est la structuration de la mémoire qui compte. L'écriture va peu à peu effacer la nécessité d'une mémoire très, très vive. Mais il est bien évident, par exemple, que la tradition celte, la tradition gauloise, était entièrement de style oral. Les druides avaient un très long enseignement qui durait plusieurs années d'initiation, mais nous n'en avons aucune trace parce qu'ils n'ont rien écrit et que cette civilisation a été détruite par les Romains en particulier. Alors nous avons quelques traces, mais justement dans ce que les Romains ont écrit. Alors que là, nous nous trouvons euh, donc dans, dans le monde des, euh, des Hébreux, on va dire, puisqu'on ne peut pas dire le monde vraiment euh, juif, Ou pour retrouver la, Alors, bo la bonne citation, là. Oui, difficile. il faut faire une distinction. Ouais. Donc nous partons dans la civilisation hébraïque, hébraïque. c'est-à-dire de ce qui naît en gros avec Abraham et qui se forme euh, surtout avec Moïse, et donc tous les textes vont remonter à Moïse, et puis qui va se développer jusqu'à Jésus. Et après, alors, qu'est-ce qu'on appelle des Juifs Du temps de Jésus, on commence à avoir ce nom parce que c'est euh, ce que les Romains euh, nommaient, à savoir les Judaïm, euh, c'est-à-dire les gens qui habitaient le, la province de Judée. Alors, Judée, Samarie, etc. Euh, mais ils ont pris ce nom surtout après l'exil. Donc avant, c'est la civilisation hébraïque. Et dans le fond, les Juifs du temps de Jésus sont les héritiers de la civilisation hébraïque. Et d'ailleurs, on les appelle encore les Hébreux, souvent. Hein? Par exemple, quand on dit que Matthieu a écrit son euh, évangile en langue hébraïque, il ne s'agit pas de l'hébreu, en fait, mais il s'agit de l'araméen. Mais on les appelle encore les Hébreux. Épit aux Hébreux de Saint Paul. Eh bien, évidemment, ce n'est pas les Hébreux du temps de Moïse, c'est les gens du temple du temps de Jésus, mais qu'on appelle encore Hébreux, un peu comme si on appelait encore les Français d'aujourd'hui des Gaulois. Voilà. Hum. Alors, on va revenir hum. sur justement ce que c'est le style oral, parce que du temps de Jésus, tout de même, on écrivait, puisque nous allons nous plonger dans ce moment-là. On écrivait, mais la civilisation était encore de style oral. Donc, c'est là où il faut que vous nous expliquiez ce que ça veut dire et comment ça fonctionnait. Alors c'est une question très complexe, nous allons simplement l'effleurer. Oui, on a neuf Alors, émissions pour. En parler <laughs> un <petit peu. rire> donc une civilisation de style oral donc, a les structures de langage nécessaires pour transmettre une tradition à simple écoute. C'est-à-dire tout le monde n'est pas obligé de savoir lire et encore moins d'écrire. Euh, savoir lire, c'est une spécialisation, mais beaucoup de gens savaient lire du temps de Jésus dans le peuple hébreu. Oui, on dit à peu près 50%. Hein. Oui, c'est ce un taux d'alphabétisation extraordinaire. Beaucoup plus les... élevé que chez les Grecs, par exemple. Plus élevé que chez les Grecs et chez les Romains, mmh. où il y avait juste une petite élite mmh. qui était instruite. Alors, pourquoi il y avait tant d'instructions dans le peuple d'Israël Eh bien, justement, à cause de la religion, à cause de la Torah. On apprenait à lire dans le livre du Lévitique, pour ceux qui apprenaient à lire. Donc, peut-être environ 50%, ce sont des estimations, mmh. bien sûr et ce sont les lévites dont c'était le métier d'apprendre donc toute la tradition toranique aux petits donc aux, surtout aux garçons mais parfois aux filles aussi comme la vierge marie elle a été instruite et ils apprenaient à lire dans le livre du lévitique et quelques-uns rares apprenaient à écrire parce qu'il fallait des parchemins ça coûtait cher et c'était une technique alors le style oral euh, n'est pas incompatible avec l'écriture et cela depuis les débuts de la civilisation hébraïque donc nous nous allons commencer avec Moïse. Vous lui. allez nous donner un exemple. Je, pense. je vais vous donner un exemple. Oui. Par exemple dans le Deutéronome donc que nous avons par écrit on nous dit comment les choses ont été faites. Euh, par exemple dans euh, le Deutéronome au chapitre 5 Moïse convoqua tout Israël et leur dit, Écoute Israël, les lois et les coutumes que je prononce aujourd'hui à vos oreilles. Et ça, c'est oral. Et je prononce à vos oreilles. Bon. Il s'agit d'écouter, il ne s'agit pas de lire. Hein? Apprenez-les. Il faut apprendre ce qu'on vient d'entendre. Pour nous, c'est très étrange puisque nous, nous ne savons plus apprendre à première écoute ou même à seconde. Hein? Apprenez-les et gardez-les pour les mettre en pratique. Alors, apprendre et garder, nous nous, a, nous traduirions euh, apprendre par cœur, bien sûr. Parce que qu'est-ce qu'on garde Et on verra qu'il y a encore cette expression par, dans l'Évangile. Et Marie gardait toutes ces choses en son cœur. Ça veut dire qu'elle avait appris par cœur les récits qu'elle avait elle-même composés, d'ailleurs, sur... Les origines de Jésus sur son petit, car c'était une tradition, nous le verrons en son temps, que la maman composait un très court passage qui va rentrer dans la mémoire familiale sur les circonstances de la naissance d'un enfant. Donc, la Vierge Marie a fait ça, et donc euh, en particulier avec son magnificat. Donc à l'origine, les... Moïse euh, demande euh, qu'on apprenne et qu'on garde. Alors à l'origine, il s'agit d'écouter. Un enseignement oral qu'on entend et qu'on apprend par cœur. C'est tout à fait clair. Mais cela n'est pas incompatible du tout avec l'Écriture. Alors c'est ce qu'on voit dans le même Deutéronome, euh, au chapitre 5, verset 21 ou 22. Telles sont les paroles que vous adressa le Seigneur, donc Dieu. Quand vous étiez tous assemblés sur la montagne, il vous parla du milieu du feu, dans la nuée et les ténèbres. Alors il parle à travers Moïse. On voit la médiation d'ailleurs du prophète, d'une voix forte. Alors là, il y a une expression hébraïque qui est derrière. Ça veut pas dire qu'il parle très fort. Ça veut, c'est kol Agadol. C'est une grande voix. Alors ça veut dire d'une voix spéciale, d'une voix qui n'est pas la voix ordinaire. Il n'y ajouta rien et les écrivit sur deux tables de pierre qu'il me donna. Donc on dit qu'il y a une écriture immédiate des paroles, de, des coutumes et des lois, c'est mis par écrit, et comme c'est l'enseignement de Dieu, on dit que c'est Dieu qui l'a écrit lui-même. Bien sûr, toujours par la médiation de Moïse, puisque c'est Moïse qui, qui dit les paroles mmh. qu'il a entendues de Dieu. Alors, Alors sur tout le temps ensuite qui va se dérouler jusqu'à... Jusqu'à l'arrivée de Jésus, puisqu'on se situe à ce moment-là, euh, cet enseignement va continuer de cette façon Alors, l'enseignement va être transmis donc de deux façons. Mmh. Il y a la transmission de la Torah dessus la bouche, comme on dit, c'est-à-dire qu'on transmet de, de maître à disciple, donc, ou d'instituteur à élève, si vous voulez. Donc, on dit une chose, l'autre le répète et l'apprend ainsi. Mmh. Ça, c'est une première transmission. Et deuxième transmission, il y a une mise par écrit qui est contemporaine de la production de ces textes. Et on voit, par exemple, chez les prophètes, la même chose. Le prophète Jérémie dicte à son disciple et, et successeur Baruch, qui, est, qui va être lui-même prophète, qui met par écrit les lettres qu'il envoie, mais les lettres accompagnent celui qui va l'apporter, mais il dit le texte. Et il transmet le texte comme témoignage que sa parole est juste. Autrement dit, la transmission est une transmission vivante, orale, apprise par cœur, par celui qui le dit et par celui qui l'entend. Il y a un texte qui témoigne de l'authenticité de ce qui a été dit. Un petit peu, je vais vous donner une comparaison qui pourra peut-être faire comprendre les choses ici. Par exemple, il y a des choses qu'on connaît parfaitement qui sont les actes de propriété. Alors, on ne se transporte pas tous les jours avec les actes notariés qui prouvent qu'on est propriétaire d'une maison et quelles sont les limites des champs. Tout ça est notarié, c'est mis par écrit. Mais tout le monde le sait, puisque dans la vie courante, on sait très bien où est la limite entre deux maisons. Maintenant, s'il y a un conflit, s'il y a une dispute, alors on va se reporter à l'acte notarié. Voilà, donc c'est à ça que servait l'écrit dans la civilisation hébraïque. Dans toute civilisation de style oui. oral, mmh. et en particulier dans la civilisation hébraïque, bien sûr. Donc l'écrit va être un témoignage. Et d'ailleurs, dans l'arche qui sera construite dans le temps, comme nous allons voir, on, on l'appellera l'arche du témoignage. Et quel témoignage hein C'est Teva Haïdout, et le témoignage qui contient le texte dont on doit témoigner, évidemment, et des objets, d'ailleurs, qui sont la preuve de, euh, de ce qu'on raconte. Donc, euh, ceux qui enseignaient, vous nous avez parlé tout à l'heure des Lévites qui apprenaient à lire et qui enseignaient, euh, mais ça se passait comment J'aimerais que vous nous précisiez un petit peu, si vous voulez, euh, comment était euh, apportée cette parole euh, Vous dites euh, tout le monde la recevait, oui, mais de quelle façon euh, dans quelle langue on écrivait aussi Parce que ah, là aussi, il y a la le problème de, de la langue. La question de la langue est très importante. Alors, on se place du temps de Jésus, puisque oui. notre but c'est de parler de la formation des évangiles oui. de leur, et de leur transmission Mais, ensuite. Euh, ça a été formé dans un contexte bien spécial, et c'est pour ça qu'on commence par parler de ce contexte. Voilà. Puisque Jésus et les apôtres naissent dans une civilisation mmh. qu'il faut absolument connaître si on veut comprendre ce qu'ils y ont dit et ce qu'ils y ont fait. Mmh. Alors. D'abord quelle langue parlait-il mmh. Il parlait l'araméen. Alors l'araméen est une langue véhiculaire qui recouvrait tout le Moyen-Orient, c'est-à-dire euh, depuis Israël actuel, en passant par la Syrie, le Liban, euh, l'Irak et la Perse. Donc une langue, une, une immense aire géographique, et avec des routes commerciales qui allaient jusqu'en Inde et jusqu'en Chine, où on parlait araméen. Oui, c'est ce cela... pas juste une langue parlée dans un petit coin parce que souvent on a l'impression que l'araméen c'était ah, la bonjour. langue du pays de Jésus mais non bon, non euh... non, c'est une langue immense qui a duré sur une période de temps d'environ 3000 ans et qui n'a été détruite en tant que langue véhiculaire que par l'arabe au 7e siècle avec l'islamisation. On a parlé araméen jusque-là. Donc c'est assez récent la disparition de l'araméen. Il y a encore quelques locuteurs aujourd'hui puisque Jusqu'à présent, la liturgie orientale syriaque, justement, était en syriaque, c'est-à-dire un dialecte araméen. Alors, comme toute langue véhiculaire, elle avait des variantes dialectales selon les endroits où elle était parlée. Donc, il y a un judéo-araméen qui était parlé à Jérusalem, un galiléo-araméen, si on peut dire, qui était parlé en Galilée, et puis l'araméen d'Empire qui était parler en perse par exemple. Mais tout le monde se comprenait à quelques variantes dialectales près. Et on peut repérer encore aujourd'hui les différences dialectales entre le judéo-araméen et l'araméen d'Empire. Et nous avons les traces de cette langue tout à fait dans la composition même des évangiles dont nous avons dans la pshita qui est la version euh, araméenne d'empire qui est élu, par exemple, dans l'Irak actuel, enfin ça s'appelait pas l'Irak évidemment, hein, par les premiers chrétiens et qui n'ont jamais cessé d'avoir leurs textes et en particulier les évangiles, pas simplement Matthieu, contrairement à ce qu'on raconte. Voilà, on va faire une petite pause musicale et puis on continuera sur la langue écrite puisque là on parlait surtout de la langue orale. Bien sûr. Continuons notre émission, Jean-François Froger, donc sur euh, la civilisation orale du temps de Jésus. Donc, euh, vous nous avez parlé de l'araméen qui était la grande langue véhiculaire de ce temps-là. Et en fait, est-ce que l'écriture aussi était en araméen Bien sûr. Alors, un araméen plus châtié, évidemment. Et surtout, ce que je voudrais ajouter, c'est que Israël va se trouver à la conjonction de deux grandes civilisations, la civilisation de type araméenne et la situation du type gréco-latine. Donc le grec domine même si les romains dominent au point de vue politique puisqu'ils ont envahi le pays, mais il y a eu trois siècles d'occupation grecque. Ça a laissé des traces au moins dans les élites qui connaissaient le grec. Par exemple Paul qui va être un, un très grand euh, évangélisateur parlait évidemment araméen et avec son dialecte judéo-araméen, puisqu'il a été élevé au pied de Gamaliel pendant douze ans. Mais il parlait évidemment grec, puisqu'il était né à Tars, où il avait au moins accompagné ses parents, et Tars était de langue grecque. Donc, on a beaucoup de gens bilingues, voire trilingues, et ce qu'on verra ensuite dans la composition des évangiles. Et l'hébreu, alors Alors, l'hébreu continue d'exister, bien sûr, puisque c'est la langue sacrée du peuple juif. Alors, l'hébreu n'est plus parlé du temps de Jésus, sauf par les spécialistes. Donc, les gens du temple et puis des pharisiens, qui sont une secte euh, cultivée qui essaye de restaurer les bonnes traditions. Ils sont les traditionalistes de l'époque, si vous voulez. Donc, ils avaient. Euh, mais l'enseignement était entièrement fait en araméen. L'hébreu étant une langue sacrée. Alors, depuis le retour de l'exil, puisque le, tout le peuple s'est mis à parler araméen à Babylone pendant l'exil. Alors, on ne pratique plus l'hébreu et par conséquent, ça suppose une traduction. Par exemple, pour le Shabbat, à la synagogue, on va entendre la lecture de, de la Torah en hébreu, à voix basse, la, de la Torah et. Des aftarotes, donc des, des textes qui sont ajoutés, choisis parmi les, parmi les prophètes ou les psaumes, un peu comme ce que les chrétiens font aujourd'hui. Hum? Il y avait plusieurs lectures. Mais, évidemment, comme le peuple ne comprenait plus l'hébreu, il fallait leur traduire dans leur langue, à savoir l'araméen. D'où l'institution de traducteurs simultané en quelque sorte, on entendait la lecture d'abord en, en hébreu et ensuite en araméen et c'est ce qu'on appelle les miturgémanes. Hein? Alors le miturgéman disait à voix haute, proclamait en araméen pour que tout le monde entende et comprenne et ensuite évidemment un rabbi, euh, soit le maître de la synagogue, soit un rabbi de passage commentait l'Écriture. Ce qu'on voit dans l'Évangile, on, on donne à Jésus le rouleau pour qu'il fasse la lecture et ensuite il fait son commentaire. Et qu'est-ce qu'on appelle les targoums, alors Alors, précisément, le targoum, c'est la traduction en araméen de l'Écriture hébraïque. Alors, il y a plusieurs targumim évidemment. Dès qu'on traduit, vous savez, parmi nos Bibles, nous, nous avons des traductions en français, mais il y a 10, 20 traductions différentes. Alors, il y a des traditions de traduction c'est à dire qu'il y a des écoles de traduction mmh. et on ne traduit pas n'importe comment on apprend à être traducteur et surtout le traducteur doit savoir par cœur sa propre traduction avant de la dire. Alors, vous voyez, ce n'est pas du tout notre style à nous euh, où nous lisons en bafouillant un peu l'écriture. eux ils savent d'abord et par cœur même la traduction et la traduction ne doit pas être mise par écrit parce que on ne veut pas confondre. Avec le texte sacré lui-même. Maintenant, il s'est passé un événement historique qui est à notre bénéfice c'est que, après la destruction du temple, en 70, on, euh, en 70 après Jésus-Christ, mmh. on a eu peur. Perdre. De perdre la, tradi la tradition targoumique et on l'a mise par écrite. Donc il y a une mise par écrite dans les premiers siècles après Jésus-Christ. Mm -hmm. Mais la tradition de traduction remonte avant Jésus-Christ, mm -hmm. bien sûr. Et nous avons et encore certains targoumimes. Vous pourriez me, me donner un exemple de, de targoum, justement sur euh... Ah, bien sûr. Alors, il y a un targoum de l'Ancien Testament qui est bien connu, qui est le targoum de Vénusiel. Et évidemment, ça donne une idée de ce qu'entendaient les gens quand ils allaient à la synagogue. Alors, je vous donne un exemple euh, avec quelque chose que tout le monde connaît, à savoir le début de la Genèse. Voilà, alors comment l'entendaient donc les gens qui entendaient cette traduction Oui, d'abord, euh, on avait une lecture continue de la Torah sur toute l'année en 54 parachotes, enfin, droite Pour que tout soit connu. Pour que tout soit lu dans l'année. Mm -hmm avec les textes additionnels. Donc on entendait, on commençait à Pâques, après Pâques, le, le début de la Genèse. Et tout le monde sait que le début de la Genèse, ça commence par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et la terre était informée vide, et la ténèbre était au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu palpitait au-dessus des eaux. Voilà la première phrase de la Bible, disons en hébreu, traduite en français, bien sûr. Eh bien, Toujours traduit en français, qu'est-ce qu'entendait euh, l'auditeur de la traduction araméenne Il entendait ceci Dès le commencement, la parole de Yod Hevavé, avec sagesse, créa et acheva les cieux et la terre. La terre était déserte et chaotique, privée d'hommes et de bêtes, vide de toute culture, de plantes et d'arbres. L'obscurité s'étendait sur la face de l'abîme, et un esprit d'amour de devant Dieu soufflait sur la face des eaux. Alors vous constatez une chose, c'est que. Il y a déjà un commentaire, en fait. On introduit des gloses, en quelque sorte, des explications. Mmh. Au lieu de dire, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, on dit, la parole de Dieu, avec sagesse, créa et acheva. Donc on introduit des compléments. Euh, Explicateur ou, ou, ou pieux, simplement, dans le texte lui-même. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on n'écrit pas le texte, pour ne pas confondre avec le texte sacré. Alors, c'est un peu comme si on faisait l'homélie à l'intérieur du texte. Et on va, par exemple, mélanger des textes, on va dire privés d'hommes et de bêtes, ça, ça fait évidemment référence au deuxième récit, comme on dit, de la création. Hmm. Mais on va le dire dès le début, parce qu'il n'y a pas cette idée moderne que les traditions euh, seraient différentes ou incompatibles. Hein? Alors ici, on va compléter le texte parce qu'on sait par ailleurs. Alors, par exemple, l'obscurité, elle est apnée à Théom en hébreu, et là, cette fois-ci, elle n'est pas simplement à la face de l'abîme, on dit elle s'étend sur la face de l'abîme. Et, un, alors, et non seulement l'Esprit de Dieu souffle sur la face des eaux, mais un esprit d'amour de devant Dieu. Alors c'est très beau. Et voyez, j'ai choisi cette phrase de la jeunesse d'abord quand c'est tout début, et ensuite parce qu'on entend déjà le, la façon de parler que va avoir Saint Jean, qui connaissait évidemment à la fois la Torah en hébreu et sa traduction en araméen et il va écrire son évangile au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu devant et Dieu était... et vous entendez strictement mm -hmm. le, une euh, ré, réplique une, résonance, une résonance avec quelque chose qui était parfaitement mm -hmm. connu du temps de saint Jean mais qu'il a synthétisé magnifiquement mm -hmm. et inutile de dire que l'évangile de Jean ça n'est pas grec c'est araméen voilà, alors on est, déjà, on est déjà presque dans les évangiles. Mais avant, j'aurais voulu que vous me précisiez quelques petites choses sur les lois de cette oralité. Parce que euh, pour mémoriser très rapidement, euh, ça, ne, ça ne peut pas être dit n'importe comment. Parce que nous, quand on est enseignant et qu'on fait un cours et qu'on voudrait bien que nos élèves apprennent par cœur qu'il y a certaines choses, on leur fait après un résumé. Et comment, à et cette encore, époque... ils ne sont pas obligés de répéter <laughs> mot pour mot. Voilà. Tandis que là, on est obligé de répéter mot sur mot... Et sans faute. Mmh. Donc, donc là, il doit y avoir des lois particulières de, de, pour fait. la mémorisation. Alors, il y a une loi par particulière d'abord de composition du texte mmh. pour que la mémoire s'exerce facilement. La première loi, qui est absolument universelle dans toutes les traditions orales, hein, qu'elles soient hébraïques ou autres, eh bien, en chinois c'est la même chose c'est la répétition. Il faut répéter. Et donc on a souvent des doublets, comme on dit. On répète presque la même chose, mais pas tout à fait. Il y a toujours une petite variante, ou parfois c'est carrément la même chose. Alors je vais vous donner un exemple, qui est dans l'Exode, donc un texte fondamental euh, qui vient de Moïse. Par exemple, lorsque Moïse entend les paroles sur le mont Sinaï, où il reçoit le modèle du temple qu'il aura à construire. Du tard. Alors ça d'abord l'attente de témoignage dans le désert qui va donner la structure ensuite du temple qui sera bâti à Jérusalem et qui va être si important dans la vie de Jésus. Par exemple, dans Exode 25 18 21, nous lisons "Et tu feras deux chérubins d'or. Vous savez pour mettre au-dessus oui, de l'arche d'alliance. De... Martelés, tu les feras aux deux extrémités du propitiatoire. Propitiatoire, c'était le couvercle qui était sur L'arche. Et il fait un chérubin à une extrémité et un chérubin à une extrémité. Vous voyez, il répète deux fois. Pourquoi Parce qu'il y a deux extrémités. Alors, il n'hésite jamais à répéter. Faisant corps avec le propitiatoire, tu feras des chérubins sur les deux extrémités. Et les chérubins déploieront les ailes au-dessus, couvrant de leurs ailes le dessus du propitiatoire. Vous voyez, donc, il y a un système de répétition constante de phrase en phrase et d'enchaînement qui va faire qu'on va pouvoir mémoriser très facilement. Et leurs faces l'une vers l'autre. Vers le propitiatoire, les faces des chérubins. Et tu mettras le propitiatoire sur l'arche, par-dessus, on l'a déjà dit. Hein, hein, et dans l'arche, tu mettras le témoignage que je te donnerai. Donc, ce texte est capital, puisque justement, il y a un témoignage qui va être donné, donc, qui sera transmis oralement. Mais mis par écrit et mis dans l'arche. Et là, on ne va pas fouiller dans l'arche tous les jours. Hein. Oui. Voilà. Alors, Donc, une deuxième loi. Une deuxième loi. Alors, la répétition est une chose absolument nécessaire. La deuxième, c'est qu'on prend son temps. On prend son temps, on répète et on répète et on répète. Donc, on n'est jamais pressé lorsqu'on apprend. Nous, on voudrait qu'on euh, ne répète jamais, on dise tout, une, un maximum d'informations, minimum de temps. Eh bien, évidemment, ça ne marche pas. Mais Donc, on ne peut pas mémoriser comme ça. On ne peut pas si mémoriser. Voilà, on, on fait du lavage de cerveau. Alors, on prend son temps. Et deuxièmement, on va utiliser alors des moyens mnémotechniques structurels dans la parole. Par exemple, euh, quelque chose qui va revenir dans tous les textes bibliques et, évidemment, dans le Nouveau Testament. Le parallélisme. Alors je donne un exemple, par exemple dans le psaume 69, verset 22. Dans ma nourriture, ils ont mis le poison, et pour ma soif, ils m'ont fait boire du vinaigre. Et ça va faire allusion évidemment de ce que Jésus va connaître alors on voit le parallélisme va jouer sur des variantes donc des choses complémentaires comme ce nourriture la nourriture solide qu'on mange et la nourriture liquide qu'on qu boit donc nourriture va être plutôt solide et, là, et pour ma soif dans ce qu'on boit donc du poison dans la nourriture et du vinaigre l'amertume dans la boisson alors le nombre de, de, de parallélisme qu'on va rencontrer dans la Bible est, est absolument colossal. On, on aura des exemples à peu près partout. Bon, on va peut-être prendre un petit temps de musique encore, hein, si vous voulez bien. Continuons, Jean-François Frouget, dans cette troisième partie de cette émission sur la civilisation orale du temps de Jésus. Vous nous avez parlé un petit peu des techniques, on y reviendra puisqu'on a neuf émissions et on verra d'autres exemples techniques, des techniques, des mnémotechniques pour euh, bien structurer la mémoire. Mais j'aurais aimé que nous continuions en parlant un petit peu des lieux où se transmettait aussi ces, euh, cette oralité, on va dire, ces textes oraux, si on peut appeler ça comme ça, dans les familles. Comment ça se passait Alors, effectivement, une tradition, ça a des lieux de transmission mmh. Alors, le premier lieu de transmission, c'est évidemment la famille, où il y a à la fois la réception de la tradition, la tradition familiale d'abord. Et la première chose qu'on apprend dans sa propre famille, c'est sa généalogie. Donc l'importance des généalogies est très grande et on va les rencontrer. C'est pour ça qu'on en trouve partout dans la Bible. Partout dans la Bible, bien sûr. Pourquoi Parce que la carte d'identité de quelqu'un, ce n'est pas simplement son nom. Et sa date de naissance, comme pour nous, c'est de quelle famille est-il D'autant plus qu'il n'y a pas de nom propre, il n'y a que des prénoms. Hein. Par exemple, Jésus, ce sera Yeshua ben Yosef, hein, fils ben ou Jussef. Bar Yosef, si on parle en araméen. Donc, on dit le nom, le prénom, parce qu'il n'y a, a pas de différence là, et le nom du père. Et alors, ensuite, évidemment, il faut savoir enchaîner les générations, et on le voit par exemple dans les généalogies. Que nous ont donné Matthieu, par exemple, ou Luc. C'est un peu différent, on verra pourquoi en son temps. Et par exemple, Abraham, on le, euh, va, va donner lieu à une source, on sait que son père, c'est Terra, fils de Terra. Et ensuite, on aura Isaac, fils d'Abraham, fils de Terra, etc. On va re remonter toujours les générations pour bien placer quelqu'un dans, dans, dans la lignée, dans sa tribu. Bon, parce que le peuple est euh, composé de tribus. Alors, chacun sait qu'il y a douze tribus en Israël. Alors, du temps de Jésus, il en restait plus que deux ou trois euh, sur place, mais on avait encore la mémoire des douze tribus. Et puis, on aura, par exemple, la plupart des gens de la tribu de Juda, mais pas tous, quand même. Et Jésus étant un judéen, il est de la tribu de Judas, il est un fils de David, on va le rappeler, mais c'est sa généalogie. Donc, on ne comprend vraiment quelqu'un que lorsqu'on le replace dans sa généalogie, dans sa tribu, dans l'histoire du peuple. Alors, et qui Donc, dans la famille transmettait ça Le père, la mère Alors, le, le, le maître de la généalogie, c'est le père, mais la mémoire active, c'est la mère. Et pas simplement la mère, c'est la grand-mère, plutôt. C'est la, la, la femme la plus vieille qui est ce qu'on appelle, justement, techniquement, une mère de mémoire. Donc, elle conserve, alors, la mémoire de sa propre famille, parce qu'elle l'a apprise quand elle était petite fille, mais quand elle est mariée, elle doit apprendre les généalogies de son mari pour pouvoir transmettre à ses enfants, justement, la généalogie de sa famille. Évidemment, une femme appartient à la famille de son mari. Alors, aujourd'hui, on comprend plus bien ces choses-là, mais il faut se remettre ça dans euh, la tête pour comprendre euh, le contexte des évangiles et de la plupart des peuples d'aujourd'hui aussi encore. Hein. Alors, il y a cette tradition généalogique qui va être transmise, mais pas uniquement. On va aussi transmettre le récit des ancêtres alors connus qui ont laissé justement une trace dans la mémoire à cause de leurs hauts faits ou de leurs crimes à l'occasion, hein, euh, ou d'un événement extraordinaire. Et en plus, dans la mémoire courte, si on peut dire, parce qu'il y a la mémoire longue des, des généalogies, la mémoire courte de l'histoire familiale récente. C'est-à-dire que la maman va composer quelques versets, en quelque sorte, à mémoriser sur les circonstances, de son mariage, de la mort du grand-père, de la naissance d'un enfant ou, de, ou de, du suivant, etc. Donc on saura qui est l'aîné, qui est le cadet, comment. Alors tous les grands événements familiaux vont être mémorisés et transmis. Et tout alors, le monde doit les connaître. Et tout le monde doit les connaître, on le récite à la veillée le soir. On peut dire euh, c'est un peu l'album de, de photos. On peut dire ça. Alors, ça, euh, nous, chez nous, l'album de photos plus ou moins jaunie, on dit ah c'était la tante untel, même qu'on n'a pas connu, mais on a son visage et son nom et on regarde de temps en temps l'album de photos la famille. Eh bien, tout cela se fait de mémoire et oralement parce qu'évidemment, il n'y a pas de photographie. Mais c'est une très belle image pour comprendre ce qui se passe. Donc, les familles ne sont jamais réduites à l'immédiateté, disons, des gens qui vivent maintenant. Ils sont toujours reliés au passé, c'est-à-dire à, à leur Alors, histoire. Là, on a un peu parlé des mères de mémoire, des, du père et de la mère. Euh, les enfants, qu'apprenaient-ils euh, oralement comme ça euh... Alors, dans la famille toujours, mmh. il y a des soirées de contes, bien sûr. A, on raconte beaucoup de choses, comme, euh, comme chez nous dans le temps. On racontait les contes des milliers de nuits, euh, mmh. par exemple, en Orient. On racontait les contes de ma mère loi, ici. Mmh. Eh bien, tous les contes et légendes, mmh. et il y a tous les proverbes. Et dans une situation de style oral, on aime beaucoup les proverbes et la maîtrise de l'usage du proverbe montre la sagesse d'un homme accompli. C'est ce qui se retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui en Afrique. Savoir dire le bon proverbe au bon moment, pour souligner ou corriger par exemple une situation, ou pour faire comprendre l'enjeu d'une situation, on va citer un proverbe. Alors, le, du coup, dans la Bible, on va trouver, par exemple, un livre des proverbes. Hein Alors, comment mmh. finalement se fixer-t-il Parce que, bon, les généalogies, ça, bien sûr, on ne va pas interchanger les personnes, mmh. mais les contes, euh, Alors, les histoires. Il y a des réunions familiales, évidemment, avec tout. Il y a les voisinages, déjà, ce ne pas les mêmes familles. Il y a des cousinages, et surtout aussi, il y a des grands rassemblements de tout le peuple au, au jour de fête. Donc on retrouvera ça. Les jours de fête sont très importants parce que d'abord il y a des échanges d'informations sur les familles puisqu'on se retrouve en même temps en allant vers Jérusalem. Hein, comme on verra aussi Jésus faire le pèlerinage à Jérusalem avec ses parents, mais ce n'est pas spécifique, tout le monde le faisait, c'était une obligation euh, à la fois religieuse mais euh, civile en quelque sorte parce qu'on ne différencie pas la vie religieuse de la vie civile. Ça, c'est une différence moderne, et en, pratiquement pas non plus avec la politique, parce que tout est intégré dans une civilisation traditionnelle. Donc, alors, cette mémoire se transmet de toutes ces façons-là. Mais en plus, il y a aussi une structure d'enseignement, proprement dit, et c'est le travail des Lévites. Alors, rappelons qui sont les Lévites. Les Lévites, c'est les fils de Lévi, hein, ben, et Lévi étant un des fils de Jacob. Et c'est une des tribus qui a été mise à part parmi toutes les tribus quand on se distribue le, le, le pays. Euh, chacun eut eu son, son territoire. Les Lévites n'ont pas de territoire. Alors, ils ont simplement des villes où ils peuvent habiter et les autres sont obligés de leur donner la dîme. Pourquoi? Mais pour qu'ils vivent. Parce que quand on n'a pas de territoire, on n'a pas de terrain, on ne peut pas cultiver. Donc, on meurt de faim. Alors, il y a cette institution des Lévites qui, va, qui vont être spécialisés à travers une sous-tribu qui est les, les Kohanim, le Kohen, les prêtres qui vont servir au temple, mais la plupart des Lévites vont être simplement, en quelque sorte, les instituteurs du village. Et là, ils vont enseigner la Torah et les coutumes qu'on doit observer pour observer la loi. Voilà, bien écoutez Jean-François Froger, je vous remercie. Nous continuerons dans un prochain entretien à voir la structure en fait de la société. Là, on a vu ce que c'était un peu le style oral, on aura l'occasion d'y revenir. À bientôt. À bientôt, Annie Gabriel.